Salut à tous, nous nous retrouvons sur la Côte d'Azur, à Nice plus précisément, pour une étape un peu spéciale, une étape 2 en 1, dirons-nous. D'abord, la dernière manche du Grand Prix FF3 qui verra la meilleure équipe de la saison remporter le titre de champion de France. Et deuxième enjeu, le titre individuel chez les hommes et les femmes. Les forces en présence avec chez les femmes les équipes de Poissy, Parthenay et Dutry Val-de-Gré qui seront sûrement aux avant-postes. Et côté individuel, Charlotte Morel sera elle à la lutte avec Jessica Harrison et Amy Charéron pour le sacre individuel. Poissy a donc 10 points d'avance sur Parthenay. C'est confortable avant de se lancer dans la Méditerranée, très agitée ce matin-là. En tête, on retrouve rapidement les bonnets jaunes, bien sûr, du Poissy Triathlon, Jessica Harrison, et suivie de Non Stanford, la championne du monde 2013. Pas facile pour les filles au moment de contourner la bouée, les courants sont très forts et la lutte acharnée. Au bout des 750 mètres de natation, la sortie de l'eau avec devant Jess Harrison, Pamela Oliveira et Non Stanford. La partie vélo et ses 20 km, ça se passe sur la promenade des Anglais. 5 tours de 4 km et un groupe de 5 filles, mais rapidement de l'écart avec les poursuivantes, plus nombreuses, elles. Ce groupe de chasse est d'ailleurs composé de 25 filles et amené par Amy Charéron de l'EC Sartrouville et Jeanne Leher du Metz Triathlon. Ces filles sont à 40 secondes du groupe de tête. Et l'écart se creuse progressivement au fil des 5 boucles vélo entre les leaders de course et les poursuivantes. La transition vélo-course à pied, les leaders déposent le vélo avec plus d'une minute d'avance. Et Non Stanford prend rapidement les commandes devant Jessica Harrison et Vicky Holland. Et c'est sous une pluie battante que Non Stanford du TCG 79 Parthenay, championne du monde 2013, passe la ligne d'arrivée. Devant Vicky Holland, Jessica Harrison est troisième, mais première française. Elle remporte son 5e titre consécutif en individuel. Amy Charéron, deuxième française, remporte le titre chez les U23. C'est très émouvant, ça fait 5 titres défilés. Ça me tient vraiment à cœur à chaque fois d'offrir ce titre à mon club. Je sais que ça les tient vraiment à cœur et surtout à Philippe Gros. Côté club, Poissy Triathlon termine la saison comme il l'a commencé, c'est-à-dire sur une victoire. Les Piciacaises remportent une nouvelle fois le titre national par équipe. Les filles du TCG 79 Parthenay sont vice-championnes de France. Le TC Châteauroux 36 complète ce podium 2013. Hey, what's up? Very good, thank you. Chez les hommes, il y a plus de suspense. La tension est à son comble car rien n'est fait. Et les clubs se sont mobilisés afin de faire briller leur équipe. Javier Gomez, Richard Meuret, Mario Mola, que du beau monde, mais également les meilleurs éléments français. Et oui, c'est aussi le championnat de France individuel. Pierre Lecor, Aurélien Raphaël, Davidos et Vincent Louis vont se disputer le titre. Part dans une eau à 19 degrés et une mer moins agitée que chez les femmes. La grosse averse est passée, mais il pleut toujours un petit peu au moment de parcourir les 750 mètres dans la Méditerranée. En tête, on retrouve du bonnet vert de Sartrouville. Même si les frères Brandly ne sont pas là, Mario Mola et Javier Gomez comptent bien les faire oublier. À la sortie de l'eau, c'est le Piciacais Aurélien Raphaël, très bon nageur, qui est en tête. Devant les sablés, Pierre Lecor et Anthony Pujade. Et le champion du monde, Javier Gomez de Sartrouville. C'est très serré sur cette première transition. Beaucoup de monde dans le parc à vélo. À vélo, justement, un groupe de 12 rouleurs se forme en tête. Et attention, la pluie peut venir perturber la course. Et les virages, vous le voyez, sont pris avec beaucoup de précautions par les athlètes. Il faut dire que la chute collective chez les femmes a marqué les esprits lors de la course précédente. On le voit, la chaussée semble très glissante. Et surtout qu'il n'a pas plu à Nice depuis pas mal de jours. Pierre Lecor et Vincent Louis, eux, sont dans le bon tempo. Ils posent le vélo avec 54 secondes d'avance sur le groupe de chasse. Vincent Louis part en tête sur la course à pied, mais il est repris par les Sartrouvillois, Javier Gomez et Fernando Alarza. Les titres individuels et collectifs vont se jouer maintenant sur ces 5 km de course à pied sur la promenade des Anglais. Vincent Louis fonce vers le titre, mais Pierre Lecor s'accroche
les petits hommes verts sont toujours devant. Et au terme d'une lutte acharnée entre les meilleurs triathlètes du circuit, Javier Gomez, Richard Meret, Mario Mola, Pierre Lecor, Aurélien Raphaël, Davidos ou Vincent Louis, l'étape est remportée par le César Trouville, emmené par le champion du monde Javier Gomez et son coéquipier Fernando Alarza. Vincent Louis, lui, est troisième, mais il est le premier Français à franchir la ligne. Le membre du club de Sainte-Geneviève-des-Bois Triathlon remporte ainsi son premier titre de champion de France en individuel devant le sablé Pierre Lecor qui s'adjuge le titre chez les U23. Ouais, c'est vrai que voilà, dès le début de la natation, on est parti très très vite. Avec Pierre Lecor, on a su créer notre chance parce qu'on savait peut-être un petit peu en dessous des Davidos, etc. Donc voilà, on a su créer notre chance et la saisir au bon. Maintenant, voilà, certains diront qu'il manquait Laurent Vidal, que c'était sur un Grand Prix. Mais voilà, je pense que les gens ils se souviendront surtout qu'en 2013, Vincent Luis, il a été champion de France et c'est tout ce qui compte, quoi. Au classement club, la victoire d'étape revient à Le César Trouville devant les Sables Vendée et Poissy Triathlon. Mais au final, ce sont bien les Sables Vendée qui remportent leur deuxième titre de champion de France par équipe. Le César Trouville prend l'argent et Poissy le bronze. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle saison du Grand Prix FF Tri. On se retrouve l'année prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas, envie de différence, vibrez triathlon. Ciao.